Bonjour, bonjour, ouverture de ce nouveau vlog. Nous ne sommes plus au Sable d'Olonne parce que je ne vous ai pas repris, mais bien évidemment, nous sommes rentrés. Trois jours se sont passés. Nous sommes dimanche. Il a fallu que je bosse, donc je me suis dit que ça n'était pas du tout intéressant de vlogger ça. Aujourd'hui, on vous laisse balader, donc on est à Vendôme. On va voir s'il y a un petit truc sympa pour manger et je vous emmène avec moi. Le ciel est un peu menaçant. Vous avez vu ce que j'utilise depuis quelques temps comme sac, un tote bag pour mettre le plus gros et notamment ma caméra. J'ai rechargé ma batterie, il n'y a déjà plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as rechargé ta batterie, il n'y a plus rien. Non, je suis deg. Et donc il se pourrait bien que pour mon anniversaire, qui est dans quelques jours, je vais peut-être avoir un nouveau sac à main. Hein, c'est vrai? Oui. Peut-être, on ne sait pas. Oh, c'était pas nécessaire. Merci. Chin, bébé, aux vacances. Bah non, tu mets ton tonique. Ah ouais, merde. Nous sommes dans une pizzeria. Oui, le San Martino. San Martino. Qui veut dire Saint-Martin. Voilà, et je me suis dit, Caro, pourquoi tu prends la tête à chaque fois à dire, oh, pourquoi je prendrais pas une viande, un poisson, machin. Dans une pizzeria. La spécialité, c'est une pizzeria. Non, je prends une pizza. Dans une poissonnerie, tu prends du. Voilà. Et non, bah. Du, voilà. Oui. Ça me fait rire toute ma journée. Scale. Je voulais vous dire quelque chose, ça m'énerve, je ne sais plus. J'ai commandé, parce que j'en ai ras-le-bol, d'être dans le mal avec mon fer. Donc j'ai commandé sur internet un traitement qui est, en fait, hier j'étais pas à la maison, du coup le livreur m'a dit je suis là, je dis bah moi je suis pas là. Et il m'a dit bah ça c'est pas grave, je viendrai demain, donc demain, aujourd'hui dimanche. Bah, comme nous sommes là, je pense que c'est mort. On n'est pas chez nous. Donc ce sera demain. Mais j'ai un bon traitement qui arrive et ça c'est possible que ça me fasse un bien fou. Ça a l'air très bon. C'est des crêpes. Prends ce que tu veux. Moi j'ai envie de goûter, moi je me bien suis sûr, pris ce que tu veux. Un café allongé, mais bon ils ont pas pris allongé donc ils me l'ont refait. Café gourmand pardon. On va faire la petite balade digestive. C'est mignon mon homme. Si vous me suivez, je viens de temps en temps, notamment avec mes amis. L'architecture aussi, on est presque sur de l'architecture normande, surtout là. On a le Gaillery. Je vous ai pas dit, donc j'ai mangé une pizza exceptionnelle. La pâte, ça fait tout. Très bonne. Il se passe quoi ici? Là, il t'explique ce que c'est que cette porte. La porte Saint-Georges. C'est le seul témoin des quatre portes fortifiées qui contrôlaient l'accès à la ville. Il fallait passer par une de ces quatre portes pour rentrer dans Vendôme, à l'époque. Tu vois, il y a un pont, il y a tout. Ok. L'accès était très limité. Oui, il n'y a plus de château, en fait, là. Est-ce que tu as vu qu'il est en travaux complets, là? Il y a des échafaudages partout. Tu ne veux pas éviter que ça tombe encore plus. De toute façon, bébé, c'est toujours bien de marcher, de se balader, après bien avoir bien vécu, bien mangé. Mais c'est un bar à peau, c'est un peu mauvais garçon. Là. Go fun, or go home. Soit t'es fun, soit tu rentres chez toi. Voilà. C'est ça? Ouais, voilà. C'est-à-dire que, en gros, okay. Si t'es pas drôle, tire-toi. Quoi. Ah, moi, je suis de ce côté-là. Moi. Fun. Et moi je suis. Alors tu vois, moi je suis de ce côté là. T'es bête. Allez. De toute façon, tu le vois, les cafés qui sont drôles, c'est les cafés qui te proposent une planche. Une planche. Une planche apéro. Ah ouf. Et en général, les gens qui n'aiment pas les planches apéro ne sont pas des gens drôles. Marrant, c'est bizarre. Nous sommes rentrés il y a peut-être une heure. On s'est pris la tête. Pourquoi? Parce que... Ah bah c'est vlog, je vous raconte. Hein. En rentrant, donc il s'est fait flasher. Bon, ça arrive, mais flasher en plus petit, parce que c'est toujours... il était à 90, pensant qu'il s'était limité à 90. Des fois, on ne sait pas si c'est 80, 90. En plus, c'est quelqu'un qui fait super gaffe, qui roule pas vite, qui fait vraiment... qui respecte les trucs. Et à chaque fois, c'est ça. On a eu le flash. Mais ce qui m'a un peu saoulée, c'est qu'il s'est fait flasher 3 fois en moins d'un mois. Je vous l'ai pas dit. Donc ça fait un peu beaucoup, quoi. Bon, en plus, c'est moi qui perds les points, mais c'est surtout à chaque fois 90 fois 3. Voilà, donc j'étais un peu saoulée. Et du coup, il est parti se coucher. Il est 17h23. Ça va se passer, mais bon, sur le coup, c'est chiant. C'est chiant. C'est pas non plus super bien indiqué. Ça m'a saoulée, j'ai pas trouvé ça normal, j'ai pas trouvé ça juste. Mais bon, bref, voilà. J'étais un petit peu énervée, je suis un peu... Non, je ne suis plus là, je suis redescendue. De toute façon, voilà, 90 x 3. Du coup, j'ai retrouvé mon bio. Et qu'est-ce qu'on fait avec mon bio? On fait des câlins. Regardez, je viens de fabriquer une petite cabane à Jackie, parce qu'il adore ça. Parce que là, il faut que j'aille préparer à manger. Même si j'ai pas hyper faim, je vais me faire du melon, regardez.
La mignonnerie, il kiffe. T'es bien là, mon Jackie, hein? Regardez. Ma petite salade du soir. Alors, il y a de la feta, comme vous voyez. J'ai rajouté du persil, melon. Et il y a des petits morceaux aussi de... Putain, je sais plus comment ça s'appelle. Chou-fleur. Voilà. Et évidemment, de l'huile d'olive. J'ai mon frère qui m'a appelé. Ils reviennent demain. Je pense qu'ils revenaient dans deux jours. Il va falloir que je m'organise dans mon taf. Mais c'est cool. Nouvelle journée. Je suis redescendue hein, en pression très rapidement. On en a même pas reparlé. Voilà, on verra bien. De toute façon, c'est sûr, on va la recevoir. Hein. C'est comme ça. C'était sur le coup. Je monte vite. Je redescends vite. La prochaine fois, on mettra le régulateur. Ce qu'on fait tout le temps. Et là, il avait oublié le câble pour brancher le téléphone comme quoi. Sinon, nous sommes allés, là je me suis habillée en mode tranquille, nous sommes allés faire quelques petites emplettes, enfin des courses tout simplement. Je peux vous montrer vraiment un petit tour comme ça rapide avant que je ne range les choses, même si j'ai déjà rangé forcément tout ce qui était surgelé. Je vous montre, on ne sait jamais, parfois vous me dites que ça vous donne des petites idées. Voilà, de l'eau. Mes bouteilles d'eau, c'est surtout pour ça hein, que j'y allais, j'en ai 4 packs comme ça. Ça j'ai repris. Super, bon j'en ai pris 2 paquets comme ça, les muffins, mais je prends pas les blancs. Donc avec le pain blanc, c'est vraiment les complets. Comment je les mange? Alors moi je les fais griller au four, enfin chauffer au four. Là, je mets du beurre. J'avais arrêté la confiture et là je me suis dit vas-y, ça te fait plaisir la confiture? Oui, bah vas-y. Fruits des bois. Et je les ai goûtés là, rapidement. Quand t'as plus l'habitude, c'est très sucré. Bah, j'ai repris ma petite carotte que je mange crue, que je coupe très 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 finement, juste avec un filet d'huile d'olive. Voilà, riz rouge, riz sauvage, riz long, j'adore. Maquereau, très bon petit filet de maquereau. J'ai également la moutarde, j'ai la tomate. Bon, il n'y a que moi qui mange ça. Ça, c'est pour un midi. Ça me dépanne et vraiment, j'aime beaucoup. Des avocats mûrs à point. Pareil, je coupe en deux un peu d'huile d'olive. Ceci pour faire mes œufs à la coque, notamment le matin, parce que alors ça au niveau du fer, je ne sais pas ceux qui ont des carences en fer, c'est formidable. Et surtout quand tu les fais cuire à la coque. J'ai repris des pommes pour manger, j'ai acheté du boudin noir, je ne vous montre pas, mais pour manger avec mon boudin noir. J'ai pris bavette d'aloyo. Je me tourne. Attendez, donc ça c'est de la viande, je pense qu'on va se faire ça assez rapidement. Pareil, pour le faire, c'est formidable. Ma grenade que je vais me faire un plaisir de manger le soir devant la télé. Je sais très bien que je suis la seule à aimer la grenade. Vous avez été à me dire, mais je comprends pas, t'as tellement dit que c'était bon, que t'aimais bien, j'en ai acheté, j'ai pas compris, c'est très amer. Alors oui, c'est amer. C'est spécial, je vous l'ai dit. Hein. Moi, j'aime. Et pas que parce que ça a 15 millions de vertus, que c'est formidable. Non, le goût me plaît beaucoup. C'est frais, c'est j'aime. Voilà. Donc j'ai pris également ceci, une petite barquette de myrtille cultivée en France sans pesticides de synthèse que je vais manger avec mes fromages blancs. Voilà. Ça, très contente, burrata. Depuis que j'ai mangé une entrée burrata au restaurant au sable avec les tomates, enfin un truc tout simple. Et ils avaient mis des sésames grillés par-dessus sur la burrata. C'était très très bon et forcément de l'huile d'olive. Feta pour aller avec mon melon. Ah, tomates cerises, j'adore celles-là, ce sont mes préférées. Les allongées, multicolores. Et quoi d'autre? Eh bien ceci, voilà. Également, et ça c'est Eric qui a pensé, parce qu'à chaque fois je râle, je fais c'est toi qui m'as piqué mon crème papier, blablabla. Et j'en ai vraiment besoin énormément, tous les jours, donc tout top. Et ça, il a dû se prendre ça, je pense, pour lui. Donc voilà, je viens de tout ranger. Et là, il faut vraiment, vraiment que je m'avance sur tous les visuels de la box précédente, la box du mois de juillet. Box qui a été très appréciée. Vous savez, à chaque fois, je fais les visuels, chaque élément que je mets sur le site. Il y a également la box gold, il faut que je fasse le cadeau que je mette sur le site. Et là, je vous avouerai que avec tout ce qu'il y a eu, les retards, la boxe, le machin, quand je suis partie au sable, j'ai pris du retard. Bon, c'est l'été. Donc, disons que ça se comprend quand même. Enfin, moi, je me comprends. Et donc, je vais faire tout ça là, de façon à, puisque je vous ai dit que mon frère arrivait d'ailleurs, il m'a appelé là. Tout à l'heure, ils sont arrivés. Enfin, c'est ma petite nièce qui m'a dit, t'es à carreau, tu... Je lui dis, j'arrive, je travaille, mais je viendrai tout à l'heure. Donc voilà, je veux m'avancer un max, max, max là. De façon à ce que, dans ma tête, déjà, je sois bien ce soir, tranquille. Et que demain ou après-demain, le temps qui sont là, je ne sois pas toute la journée à bosser, vous voyez. Donc, ça va être déjà chouette. Aussi, c'est pénible parce que
Toujours cette impression de se plaindre, et je sais que certains d'entre vous, parfois, se font un malin plaisir à dire « Ah, elle a toujours un truc, et machin. » C'est très rare, hein, vraiment, la plupart, pas du tout, vous comprenez. Mais en même temps, je le redis, quand tu décides de vloguer, certes, je ne vlogue plus au quotidien, enfin tous les jours, parce que alors là, t'as pas le temps, c'est très compliqué. Mais quand même, j'ai une fréquence de 3, ce qui est beaucoup, hein. Ce qui est beaucoup de faire publier 3 vidéos. Eh bien, forcément, quand tu traverses une période comme la mienne, qui est pas évidente au niveau fatigue, comme je vous dis, parce que c'est toujours là, hein. Je suis pas traitée, je suis HS. C'est-à-dire que, par exemple, avant-hier, donc quand j'ai pas vlogué, j'étais vraiment en bas, donc l'anémie, c'est-à-dire la pâleur, l'essoufflement, la fatigue. Quand je vous dis la fatigue, c'est-à-dire que même porter ça, ça m'épuise. Je suis éreintée. Et ce matin, en me réveillant, j'étais un peu deg parce que j'ai envie d'avoir la pêche. Ça me l'a refait. En fait, c'est que ça. J'ai beau m'alimenter, essayer de m'alimenter, en tout cas, d'apport de fer. Et surtout, bah, y a ce côté, forcément, je vous le dis, donc ça donne l'impression que je me plaigne, peut-être un peu, mais en même temps je relate ce qui se passe. Ça ira mieux, bien sûr, et je me le souhaite. J'attends d'ailleurs, il n'est pas passé encore le livreur pour mon fameux traitement. Et apparemment, peut-être que ça serait assez efficace rapidement, en tout cas dans la semaine, donc ça c'est bien. Et voilà, pour dire que c'est vraiment c'est pas cher. C'est vraiment les montagnes russes. C'est Eric que je préfère. J'expliquais qu'en fait c'est pénible quand tu vlogs parce que j'ai cette sensation de me plaindre beaucoup par rapport à... Putain, il vient de me mettre un micro. Et voilà, mais je sais également, moi c'est un parti pris. Par contre, tu me coupes là, il n'y a plus de lumière bébé, décale-toi. Voilà, merci, oh, t'étais dans la fenêtre. Non, c'est génial. Madame la star a besoin de sa lumière. Et bah écoute, on peut parler. Je vais te laisser, toi et ta lumière. J'ai une question. Oui. Enfin, je passe vraiment du coq à l'âne. Là, c'est la collection fluo. C'est-à-dire que les crayons de papier comme ça, si tu les mets dans le noir, c'est fluo la nuit? Personne n'écrit dans le noir, donc ça n'intéresse personne. Bah ouais, c'est chelou ton truc. Oui. Justement, réfléchis bien. Bébé, il y a peut-être un message derrière tout ça. Tu m'as complètement... Je ne sais plus ce que je disais. Oui, je disais que je traversais une période compliquée, mais que ça allait mieux. Ça allait. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Arrête. T'es pénible. Je pense que ça ira mieux dès l'instant où le livreur sonnera à la maison et que je prendrai mon shot. Entre 16h30 et 18h. Ah ouais, voilà, il va passer quand je vais être partie. Et toi, tu pars à quelle heure? D'accord, par là. Bref, voilà, je vais faire mes petites photos et je vais faire tout ça. Bref. Bon, oui, ma puce, maman va faire toutes les photos. Vous avez beaucoup, beaucoup aimé cette édition. Le boulot quand même de la créatrice. Jusqu'à l'intérieur, comme ça, super mignon avec les petits pois. Enfin, chaque pochette, hein, forcément, vous ai dit, était différente. Hop, c'est vrai que c'était un très beau contenu. Nous sommes passés à l'édition d'août, en commande jusqu'au, enfin, c'est tous les 10 août. Petite box, d'ailleurs, je vous donne le thème. C'est une ambiance estivale. On va avoir un article déco, maison, un petit peu pertinent, enfin, hyper original. Nous allons avoir évidemment un bijou, parce que quelqu'un me demandait, mais est-ce que ce mois-ci, il y aura un bijou? Tous les mois, il y a un bijou, il est trop beau. Je n'en dis pas plus, c'est le moment de vous la procurer en tout cas. Il s'est passé un petit temps, j'ai fait mes photos, je vais dérocher tout ça, je pense que demain ou après-demain, je les mettrai sur le site. Mais le truc, c'était vraiment de les faire, parce qu'il faut quand même que j'envoie le cadeau Box Gold à la gagnante que j'ai contactée, bien sûr, qui attend. Donc voilà, tant que j'avais pas fait les photos, je pouvais pas. Et bah, vous l'aurez compris, j'arrête maintenant ce petit vlog et on va se retrouver. On va aller à Paris. On a prévu une journée sur Paris en août, début août. Donc évidemment, je vloggerai. Il va y avoir des trucs hyper sympathiques, vraiment. Et après, bah, je partirai quelques jours également en Normandie. Les vlogs qui vont suivre en août seront peut-être pas aussi réguliers comme je faisais ces derniers temps, mais dans tous les cas, à partir de la rentrée, ça reprendra son cours normal. Voilà. Mais en tout cas, j'espère que ce petit vlog vous aura quand même plu. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à dans 2-3 jours peut-être. De toute façon, suivez-moi sur Insta parce que je vous dis à chaque fois, je vous dis voilà, ce soir il y a un vlog, soit il n'y en a pas et tout. Allez, ciao, bisous.